Namaste Pascal, dann saya Pascal Mareski, dann saya belajar Patrick Dassen qui a fait ouvrir un secteur de gamelan balinais à la Haute École de Musique de Genève. Oui, j'espère que les Indonésiens seront indulgents parce que... Hey semuanya, welcome back to my YouTube channel, I'm Didi Lujawane, and I hope that you guys are doing great today. Terlepas jenis musiknya, dari yang tradisional sampai yang kontemporer, asalkan musiknya itu asik untuk didengarkan dan tentunya nyaman untuk dinikmati. Saya asik-asik aja. Saya tidak ada masalah dengan jenis musik. Kali ini saya memiliki atau mendapatkan sebuah kesempatan yang bagus untuk mewawancarai 3 personel dari grup gamelan. Dan menurut saya yang paling asik, menarik adalah mereka ini asli warga Swiss. Dan precisely mereka berasal dari Jenewa. Ada beberapa pertanyaan sederhana yang saya tanyakan kepada mereka, seperti sejak kapan grup gamelan ini dibentuk atau sudah ada di Jenewa, kenapa memilih gamelan, apa yang melatar belakangi mereka sampai mereka mencintai atau menyukai musik gamelan, terus alat atau instrumen dari gamelan ini apa yang mereka mainkan. Ada banyak jenisnya tentunya. Dan yang pasti saya ingin tahu juga lebih suka mana antara gamelan Jawa dan gamelan Bali. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang akan kalian lihat dan langsung dengar jawabannya dari mereka ini. Ya, wawancara saya dengan mereka memakai bahasa Indonesia dan bahasa Perancis. Lalu saya akan berikan subtitlenya, jadi mereka atau kalian bisa mengikuti apa yang mereka sampaikan. So don't worry ya. Tapi we'll come back ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini intro. Oke? You guys see my shadow, right? Oke guys, sebentar lagi kalian akan melihat wawancara pertama saya dengan Ibu Pascal. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada kalian, jika kalian masih belum klik subscribe dan press bell icon-nya ini, lakukan sekarang supaya kalian akan mendapatkan informasi terbaru atau notifikasi terbaru saat saya upload video. Oke, langsung aja kita lihat videonya sampai selesai. Devant moi, c'est une des membres de Gamelan. Je voudrais lui poser des questions. Mais tout d'abord, pourquoi pas, vous pouvez vous présenter. Oui. Donc, ouais. Alors, Namasaya Pascal. Oui, elle parle indonésienne. Yes, Nikita. Namasaya Pascal. Dan saya Pascal Mareski. Dan saya belajar Gamelan 20 tahun yang lalu, tapi ada banyak stop, hein? Oh, oui. Dan karena saya lupa dan belajar lagi dan lupa lagi. Ça fait combien d'années que vous avez créé ce groupe de gamelan? Alors en fait, pour le gamelan javanais, j'ai commencé il y a à peu près une vingtaine d'années, ou un peu plus de 20 ans. Le groupe existait déjà, donc c'était... En fait, c'est des instruments qui appartiennent à la mission d'Indonésie, qui appartient à PTRI, ah oui. Genewa. Et ils étaient exposés au musée d'ethnographie à l'époque. Oui. Donc on pouvait jouer tous les dimanches matins de 10h à midi. Donc j'ai commencé par le javanais. Et puis après, j'ai fait du balinais. Bon, on l'a fait un petit peu avec Alexandre, parce que lui, il a ramené en fait un set de gamelan d'Indonésie. Mais il y a longtemps. Et puis on a commencé, ça fait peut-être une dizaine d'années, je pense. Une dizaine, quinzaine d'années. Ouais, une quinzaine d'années qu'on fait du balinais. Et d'ailleurs, il a stocké ses instruments dans notre sous-sol. Comme ça, on a une salle pour répéter sans déranger tout un immeuble. D'accord.
Et combien de personnes en général qui jouent de gamelan? C'est variable, on a eu été une vingtaine, et puis des fois on s'est retrouvé 5 ou 6. C'est puis... grand. Hein. Oui, il y a... Vingtaine de personnes. Ouais. Ça dépend en fait des périodes, ça dépend de... Ok. Et puis... ouais, donc on reprend de temps en temps. Et puis il y a aussi, on a une chance, c'est d'avoir depuis 3 ans, je crois à peu près, à la HEM, avec Patrick Dassen, qui a fait ouvrir un secteur de gamelan balinais à la Haute École de Musique de Genève. Wow, c'est intéressant. Donc des élèves qui font un cursus musical peuvent avoir à côté, prendre une branche en option et faire du gamelan balinais. Ouais, c'est intéressant. Ouais. D'autres questions, pourquoi gamelan? Oh, ça c'est aussi une histoire ancienne. Amandine, quand elle avait 6 ans, elle était passionnée par la danse balinaise. Elle a rencontré une prof en Indonésie qui s'appelle Komang Suminyasi. Et cette personne, en fait, c'est une prof qui enseigne à l'école qui est à côté de l'endroit où ils font le Bali Art Festival. Et puis, elle lui a donné le premier élan, si on veut. Puis après, elle a fait plusieurs autres professeurs, entre autres ici, entre autres un peu partout, quoi. Ah oui. Et puis après, ben, au fil du temps, elle s'est intéressée au gamelan, ben, avec Alec, c'est lui un peu qui nous a mis dans le bain. Et puis, moi, j'ai fait encore... donc, j'ai fait du javanais, du balinais, et j'ai fait de l'anklung. Je suis toujours dans l'orchestre. Il y a, je crois que c'était en 2008, sauf erreur, Monsieur Pooja, Papooja, ambassadeur à Genève à l'époque, il avait créé un groupe qui s'appelle le Sankurian. Ah oui. Il a fait venir Papooja de... J'ai entendu parler de... Oui. Mais à cette époque, ouais, il a fait venir Papooja de Bandung, ouais, pendant un mois pour nous enseigner. Et wow. Puis après, ben... L'élan est parti, on a toujours gardé ça. Mais c'est vrai que du temps de Papooja, c'est une personne qui, au niveau artistique, amène toujours des impulsions. Il a amené sur le javanais, sur le balinais, sur l'anklung. Wow. Et puis, on faisait des concerts avec lui dans des hôtels, à l'ONU. On a fait plein de choses. C'est un passionné d'art. C'est impressionnant. Hein? Je crois même qu'il écrit aussi. Je crois qu'il fait vraiment plein de choses, cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui, en tout cas notre famille, qui nous a beaucoup apporté de choses, qui nous a beaucoup touchés. D'accord. Oh, c'est très intéressant. En parlant de rôle, quel est votre rôle de jouer le badminton? Excusez-moi, c'est pas badminton. Quoi que le badminton, c'est aussi indonésien. Oui. Quel est votre rôle dans le gamelan ici? Vous entendez le genre d'instrument que je joue? Oui. Ouais. Bon, le plus souvent, je fais les gangsa. Le plus souvent, j'essaie le sengsi pour avoir quelqu'un qui fait le contre-pied du polos. Mais je peux faire aussi le gong, je peux faire aussi les autres choses. Ouais. Vous pouvez me montrer tout à l'heure. Oui. Parce que oui, ça m'intéresse beaucoup. Mais je me considère comme éternelle débutante parce que c'est extrêmement difficile. Quand vous voyez la vitesse des Indonésiens, la dextérité, j'ai encore... à apprendre la manière de taper comme il faut. D'ailleurs, ce dimanche, on a une leçon où un prof d'Allemagne qui est venu nous a montré, parce qu'en fait, j'avais tendance à faire un peu comme ça. Ouais. Et en fait, il nous a montré qu'il fallait vraiment jouer avec la main. Et c'est pas si facile, en fait, cet instrument. Oui. Beaucoup pensent que c'est juste taper comme ça, mais c'est extrêmement difficile. Il y a de la virtuosité, comme en musique classique, hein, dans le gamelan. Mais c'est surtout gamelan java ou gamelan balé que vous jouez ou vous faites? Alors ça dépend des périodes. Il y a des fois on a fait plus javanais, des fois on fait plus... En ce moment c'est plus balinais. D'accord. Le javanais est un petit peu endormi en ce moment jusqu'à ce que quelque chose lui redonne une impulsion, quoi. C'est ce qu'on attend. Quelle est votre préférence? Est-ce que vous préférez de jouer gamelan balinais ou java? Ça, il y a le bisuka, Bali, Jawa. Ou... Non, en fait, j'aime tout. Ah, ouais. J'aime, et l'anklung aussi. Ouais. Le groupe d'anklung, je suis la seule boulée qui est là-dedans. Ah. Donc, je suis obligée de me mettre à l'indonésien, ça aide un peu. Mais on a une ambiance fantastique aussi avec ce groupe. Ah. Bon, le Covid,
le lockdown nous a tout bloqué, mais c'est vrai qu'on a fait aussi des concerts formidables avec eux. C'est vrai que c'était chouette. Donc j'espère qu'on va remettre tout ça en route. Bon, merci beaucoup Pascal pour l'interview. Oui. Pour nous donner l'information ce que c'est que vous faites. Et du coup aussi, vous pouvez me montrer quel gamelan que vous faites, que vous jouez plus tard, tout à l'heure. Ouais. Bon, mais si on va continuer. Oui, j'espère que les Indonésiens seront indulgents parce que. Ya. Baik teman-teman, seperti yang sudah kalian lihat dan dengar sendiri penjelasan dari Ibu Pascal, namun biarkan saya merangkumnya. Grup gamelan ini sebenarnya sudah ada di Jenewa sejak 20 tahunan yang lalu. Dan Ibu Pascal sendiri belajar bermain gamelan Jawa 20 tahunan ya. Kemudian Ibu Pascal belajar gamelan Bali 15 tahun yang lalu karena ada salah satu temannya yaitu Alex membawa satu set gamelan dari Bali langsung ya. Lalu mengenai ketertarikan Ibu Pascal ini dengan musik tradisional berawal dari putrinya yang saat itu masih berusia 6 tahun yang suka tarian Bali saat mereka berkunjung ke Bali. Kalian tahu bahwa tarian Bali diiringi dengan musik tradisional, jadi otomatis Ibu Pascal ini jatuh cinta atau suka dengan musik tradisional ini. Oke, okay. Alat-alat musik yang dimainkan oleh Ibu Pascal dan teman-teman ini kepunyaan dari PTRI atau Perwakilan Tetap Republik Indonesia yang sebelum disimpan di rumah Ibu Pascal ya terlebih dahulu dipamerkan di Museum Etnografi di Jenewa. Jadi setiap minggu ya saya kurang tahu berapa lama, tapi setiap minggu Ibu Pascal dan teman-teman dapat memainkan alat-alat musik gamelan ini dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Dan karena kecintaannya terhadap musik gamelan, Ibu grup ini dapat sebuah kesempatan untuk berbagi ilmu ke mahasiswa-mahasiswi di Sekolah Tinggi Musik Jenewa. Dan pastinya ini ada campur tangan dari salah satu dosen profesor yang namanya Patrick Dasen yang tertarik dengan musik gamelan dan akhirnya beliau ini membuat sektor baru yaitu mata kuliah baru untuk dijadikan sebuah mata kuliah pilihan. Dan pelajar atau mahasiswa-mahasiswi di Sekolah Tinggi Musik di Jenewa ini dapat berlatih atau mencoba memainkan alat musik gamelan. Oke. Okay? Kemudian mengenai peran atau role permainan yang dimainkan oleh Ibu Pascal ini, beliau ini suka memainkan gangsa atau polos, tapi juga beliau bisa memainkan alat musik gamelan seperti gong. Selain suka musik gamelan Jawa dan Bali, Ibu Pascal ini juga suka angklung. Beliau salah satu bule atau bukan salah satu, beliau satu-satunya bule yang menjadi anggota grup angklung Sangkuriang di Jenewa. Kalian penasaran bagaimana ibu ini memainkan alat musik gamelan? Yuk, kita lihat cuplikannya. Baik, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa klik subscribe dan press bell icon-nya juga untuk di-share. Jika kalian punya saran atau komen, jangan sungkan untuk ditulis di kolom komentar. Saya Didi Rujawane, sampai jumpa lagi di bagian selanjutnya.